cash. Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies, or household expenses. Adage Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell Adage Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel pay and bills, fridge, cooker, or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. I am Buffy. Hello. Good night. Très bien, Sicily. Ici, Kassiko, Sicily. Bah, quand tu as son nom, bien en Sicily. Yes, Sicily. Oui, bien en Angola, t'es. Bien en Angola. Bah, là, quand on a son nom, on a un nom, on a un Kassiko, c'est un bien en Angola. Et ça, puis, ouais, l'accent. Pour la Robenga, Congo Kinshasa, Col Eza, Nango Kaka, 19 Pia Pamba, Bandego Nangaye. Pour la Robenga, Congo Braza, Ezali, 29 Pia Pamba. Pour la Robenga, Angola, Ezali, 5 Pia Pamba. Balobi, visitez 3 fois www.bengaangola.com. Célibataire Night héroïne dans la Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo et sakana jamais ko raté et rataraté pousana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze kamikaze life music Coco Gabana ako sakana bango na ndenge kutu tata ona beta kambunda akosa Magui Ramazani atie bango pousana Magui afanda maître cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya e belé mikolo balobi pousana Magui Ramazani afanda sakana bango du jour merci lobo pour will be voici bobo coloqué. Rangée dans la vision d'asseoir une participation des femmes dans le processus décisionnel, l'épouse du chef de l'État s'est impliquée dans l'instruction pour tous en vue de contribuer à l'essor de l'éducation en RDC. Les provinces de l'Équateur, du Sud Kivu, du Maniema et du Kasaï occidental, comme projet pilote, ont été dotés des instituts techniques professionnels et industriels Marie-Olive Lembe-Kabila, bien équipés pour offrir au pays des ouvriers bien qualifiés. Le président de la République a compris que le Congo était en retard sur ce plan de l'éducation éducationnelle. Il a prôné la révolution de la modernité, mais elle ne peut pas aller sans éducation. Et vous regardez cette action avec celle de Maman Olive Lembe qui met l'accent sur le métier manuel. Sur le métier manuel pour que les enfants soient spécialisés et des qualifications donc techniques, de manière à ce que si jamais on ne peut pas poursuivre les études universitaires, qu'on puisse être utile à la nation parce qu'on peut se servir de ses bras pour vivre et gagner sa vie. En plus de ces instituts techniques, Olive Lembe-Kabila, la première dame de la République, est dans le Congo profond pour distribuer des kits scolaires aux écoliers qui souvent sont fournitures scolaires vont à l'école pour apprendre. Les familles militaires avaient reçu, elles, un lot important d'uniformes et kits scolaires comme appui à toutes les dépenses que les parents effectuent dans le but d'assurer une année scolaire honorable aux enfants. Ce qui cadre avec les objectifs du millénaire pour le développement qui souligne que les États doivent permettre aux jeunes de bénéficier de l'enseignement.
pour appuyer le programme de son époux à la tête du pays, la première dame de la République, à l'œuvre, répond aux exigences du COMESA. C'est dans ce même cadre que Marie-Olive Lembe-Kabila a pris en charge la reconstruction d'une école autrefois dans un état de délabrement avancé à Kingakati. Cette infrastructure scolaire est devenue viable à la satisfaction des bénéficiaires. Mignon Mikiliste, lol. Pour sentir les nets à Yoji. Trop cher, très bien habillé. Mon coto Miyake, vieux à prêtre, mon apôtre à solo. Mademoiselle, servir Mikiliste 6 bouteilles de marchandises. Hein? Où est-ce que tu as dit? Ma sangue, ma vraie Mikiliste à l'okolaye. T'es climatisé, et puis à bête, ma charpie et ma barberie sauve. Koutou, mon délai yé mon comme tu as fait ça yé nkanda. Mikiliponaye, et comment si ma yanaku? Faux Mikiliste, vrai Mikiliste, Azakana Vodacom, avantage Miki. Oh! Mikili, Ezande na Simaya Chombo, na Minitio, na Zan posé à visa T, Ponaeba, Oezolika na France, na Belgique, na Chine, to na USA. Na Koki Koutou Kokomandi, Pondou ya Tour Eiffel. Oh! Pondou ya Tour Eiffel? Eh oui! Appel désormais l'international à partir de 6 unités la minute au lieu de 27 unités pour des masses solo jusqu'à 4 fois plus longtemps avec tes proches. Active ton forfait en composant étoile 11 11 dièse yes pour accéder directement au menu principal, puis tape 2. Les forfaits disponibles sont de 50 unités, 100 unités, 500 unités, 1000 unités et 2000 unités. Tala, yopé sangai Vodacom avantage Mikili, ngai la libéro pièce ouya Mikiliste, c'est Yoji. Yoji Yamamoto. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Est-ce que tu kaki manga bilo koko banga tana kotine la yona mpesa? Na ke na 500 francs na yo. Hein? Oh, boite! Zosa la la la! Moniko! Non, ke na 500 francs la! 500 francs ya pam, 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 pam. Et puis 500 francs la marabine na rosa la un pesa. La 500 francs ya pamba, la kosomba unité na un pesa. La 500 francs ya pamba, 100% de bonus na kosomba. La 500 francs ya pamba, la kosomba unité na un pesa. La 500 francs ya pamba, 100% de bonus na kosomba. Recharge à partir de 500 francs congolais seulement avec M-Pesa et reçois 100% bonus. Facilitons-nous la vie avec M-Pesa. Envoyez et recevez de l'argent à partir de votre téléphone. Rapide, sécurisé, facile. Enregistrez-vous en composant le star 12 22 dièse yes. Pour toute assistance, appelez le 1111. Leader dans le monde cellulaire. La MPSA. Ne m'appelle plus jamais pour des petits montants comme ça. Oh, allez, 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 allez. Jean, allume ma zone de la binoire. La dingue est responsable, il y a un stade d'oeil. Naza na cash. Moni cash, naza pour vivre bon ya mubimba, naza wande naza bon naza mubimba, j'ai vu le cash. Mais les gens sont bilokoy. Na buka yango, na bandele, na tunganda kunanga nesi koy. Na ku changer, na ku modifier, na ku sepele place pour tunganda kwa wa na ku tia mwinda entrée principal, na ku kutika entrée principal boy. Na ku 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 buka buka ku changer biloko ebele. Yupe, zwa cash, osomba biloko, o kana na vina yo. RDC est senti. Avec Vodacom, Soukanambongo, véritable cash. 1 million de dollars en jeu et plus de 100 000 gagnants garantis. Vodacom, Soukanambongo, c'est du cash tous les jours, du cash toutes les semaines et du cash tous les mois. Alors, n'attends plus. Toi aussi, inscris-toi maintenant en envoyant Voda au 42 420 à 50 unités. Et réponds à des questions simples et amusantes. Accumule les points pour gagner le véritable cash. Pour plus d'infos, appelez le 11 11. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.
Bienvenue au Grand Caravia de Lubumbashi, un hôtel international pour profiter d'une expérience luxueuse et unique au cœur du Katanga. De par sa situation géographique, évidemment, c'est le joyau de la province du Katanga. C'est un d'ailleurs des plus beaux hôtels de la République démocratique du Congo. Le Grand Caravia a su acquérir au fil des décennies ses lettres de noblesse en proposant un service de qualité 5 étoiles irréprochable, ainsi que des installations aux normes européennes. Avec 197 chambres, dont 12 suites et une suite présidentielle, l'hôtel dispose également de salles de conférence, de deux bars lounge, d'une toute nouvelle discothèque et d'une agréable piscine avec terrasse et bar extérieur entourée de jardins luxuriants. Le Grand Caravia convient aussi bien aux voyages d'affaires qu'au tourisme d'agrément et vous permet de vivre l'exception au cœur du Katanga. L'une des places fortes de la capitale Kinshasa trône désormais une nouvelle agence de la Banque commerciale du Congo dont les portes viennent de s'ouvrir à la clientèle de ce coin de la commune de Ngalima. Avec un personnel doté d'un savoir aiguisé, cette agence entend offrir un service de meilleure qualité à ses clients avec des produits diversifiés. Aujourd'hui, je vous dis, je vous rassure que même la concurrence n'a pas les produits que nous avons. Exemple, la BCDC Net, un produit hyper online. Nous avons aussi le module change. Vous pouvez avoir les dollars à partir de votre compte en francs congolais et c'est online en direct. Là, c'est la BCDC d'aujourd'hui. Nos distributeurs sont sécurisés et sont opérationnels 24 heures sur 24. La bourgmestre de Ngalima a elle-même coupé le ruban symbolique et dit travailler en étroite collaboration avec cette agence qui fait la fierté de son entité. Merci à tous ceux qui ont contribué, de loin ou de près, de façon que cette agence soit installée
dans notre commune. En ouvrant cette agence, la BCDC compte étendre son réseau pour être encore plus proche de sa clientèle. J'ai mes affaires pas loin dans la périphérie et donc c'est un avantage quand on aura besoin d'avoir une transaction financière à faire ici. C'est à deux pas. De par son ancienneté, la BCDC se veut donc être une banque de référence en République démocratique du Congo. La BCDC est également un modèle de bonne gouvernance et de déontologie. Elle applique des normes strictes de gestion, de gouvernance d'entreprise, de gestion des risques et de contrôle interne. Elle valorise la relation clientèle à travers une politique saine d'acceptation et le respect d'un code de bonne conduite des affaires. Avec un tel emplacement, deux distributeurs automatiques de billets, un bureau Western Union, quoi de plus normal pour cette agence d'attirer du monde. Immense pays à la grandeur d'un continent, le Congo est en pleine mutation. Mutation qui fera de ce pays continent au cœur d'une Afrique émergente, une terre de prospérité. Chantier depuis 5 ans. La République démocratique du Congo a entamé sa mutation vers la relance économique et sociale afin de redevenir l'une des locomotives de la croissance africaine. Plusieurs projets dans différents secteurs ont vu le jour et sont pour la plupart dans leur phase terminale d'exécution. Santé. Agriculture. Du climat des affaires. Dans ce film, il nous sera difficile de dévoiler toute la trame visuelle des réalisations encourageantes d'une politique de modernisation et de relance économique. Mais du moins, quelques signes avant-coureurs sont perceptibles dans tous les secteurs et dans presque toutes les provinces. Qu'à cela ne tienne, notre voyage commence à Kinshasa, pendant toute une semaine où notre quête à la recherche des signes éloquents de cette relance sont perceptibles.
Je m'appelle Ditabé Mokoloko Amadibek. Les personnes ont dit, bon, toujours bon. Une grande défense, ils ont dit toujours, hein. Bon, tu es du côté de Mousso. Mais bon ça quand mon super ça coûte d'accord tout le monde mon côté surtout batata na bino ba na bino nani ba na bino fonda quand ba tonga ngo mon côté donc mon c'est avec le temps tout va aller vite vite au kingdoma on voit ce qu'on voit et puis on va dire c'est qu'on autre colo. Je suis consultant international. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai Je suis arrivé dans mon pays de naissance. On espère tous mettre la main à la pâte pour que notre pays aille de l'avant. Se revêt progressivement d'une tunique prestigieuse qui lui fera sûrement retrouver son surnom d'antan, Kin la Belle. Les projets d'infrastructure qui se succèdent à vive allure permettent de croire à une renaissance congolaise. J'ai vu qu'il y avait une certaine volonté de réaménager la ville de Kinshasa. Par des contacts d'abord, comme vous venez. Si le produit vous intéresse, nous fassons directement un protocole d'accord selon les modalités qu'on a fixées. Il y a quelques temps encore, c'était très difficile de venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Il y avait des embouteillages terribles et j'ai constaté qu'on est venu assez facilement. Cela est dû au fait que la route venant de l'aéroport jusqu'au centre-ville a été réaménagée et en tout cas terminée. D'abord, et diminuer l'inondation de la salama et ça m'a insulté. L'inondation m'a casse, on a coupé sa bombage, ça m'a insulté. Et puis de deux, et faciliter le transport à l'eau, on est sur la côte, on va manga, le banning, tout, pour nous faciliter à comment on a centre de vie.
Merci et félicitations pour ce que vous faites pour notre pays, la République démocratique du Congo. Amenez encore les investisseurs qui investissent en construisant des maisons et des sociétés dans ce pays. Ça va. Merci. Lorsqu'il se met en place, c'est un contribuable de plus. Il vient donc élargir l'assiette fiscale et donc il vient renflouer les caisses de l'État. Mais si on ne met pas en place un mécanisme qui lui permette facilement de s'établir, et il ne va pas s'établir. En définitive, c'est l'État qui perd. Mais l'État perd également en termes de création d'emplois, puisque un opérateur économique il est destiné à créer des emplois. Donc le chef de l'État a donné une instruction précise en disant désormais dans notre pays, cette mauvaise image de notre pays sur les plans de climat des affaires doit appartenir à l'histoire. Il faut que nous puissions travailler pour que nous évoluions dans les standards internationaux, que notre pays puisse refléter une nouvelle image. Et c'est comme ça qu'il a été créé, par le décret du Premier ministre, un comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Dans ce bâtiment, non seulement nous allons former les infirmiers, les accoucheuses, les techniciens de labo et les techniciens d'assainissement et les assistants en pharmacie, mais nous avons aussi une mission de concevoir et de produire des matériels didactiques pour la formation en sciences de santé. Pendant qu'il est en train de fixer son échantillon, il peut déjà lui-même contrôler ce qu'il fait ici. Non. Un groupe de 3-4 suit ici. Et après. Par rapport à comment on avait laissé le pays, et ce qu'on a constaté, on a vu qu'il y a un relan. Je pense que si ça continue dans ce sens-là, très bientôt, Kinshasa va retrouver son nom d'antan, Kinlabel. Pour une République démocratique du Congo émergente, le Congo a besoin de ses filles et fils. Certes, la réalité sur le terrain est dure, mais les efforts pour la relance des infrastructures de base sont menés partout à travers le pays, transformant ainsi la République démocratique du Congo en un vaste chantier. Désormais, le Congo peut compter sur ses filles et fils pour accomplir